Bonne euh, à tous, euh, chers compatriotes. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui, on va, on va parler de, de l'honorable l'honorable Justin Ndundangoy. Donc, euh, la, chas la chanson que je viens de jouer là est la sienne. Vous voyez qu'on cite son nom dans la chanson. Comme il s'agit de lui. Euh, je me suis dit, il fallait que je, je joue la chanson que lui il aime. Parce qu'à chaque fois que Doudangoy a des problèmes, il va dans une fête, il joue la chanson là. Il, il impose qu'on joue sa chanson. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais jouer aussi la chanson de, de Doudangoy. Bon, il y a beaucoup de choses à parler sur Doudangoy. Hein. On, va, on va dire beaucoup de choses sur Doudangoy. Mais, mais avant avant d'arriver à Doudangoy, il y a deux. Personne de Gabonais que je souhaite interpeller ici devant les Gabonais. Deux. Deux personnalités. Euh, je souhaite interpeller euh, le petit qui a remplacé Ikea. Il y a un petit qui a remplacé Ikea à la haute fonction de porte-parole de la présidence. Il y a un petit là. Qui l'a remplacé. Le petit s'appelle... Jesse et Qui euh, depuis euh, Depuis quasiment début euh, Fin novembre Début octobre il a remplacé Ikea Et on prend toujours des Gabonais Qui sont quand même bien hein, Des visages un peu bien Lui aussi s'il ne fait pas attention Il va terminer en prison hein. Parce qu'il a déjà Commencé à raconter n'importe quoi Enfin il n'a pas raconté n'importe quoi il, a, il dit la vérité Seulement, cette vérité-là suscite de nombreuses interrogations. Vous comprenez Bon, pourquoi je cite le nom de Jesse Helekouga Pourquoi il m'intéresse Lors de sa première ou deuxième euh, euh, conférence de presse pour parler de, de l'activité de la présidence de la République, on lui a posé la question. Après le sommet euh, de la CEAC, affaire portant sur la signature du, du cyborg. Vous savez que la signature du cyborg n'est plus la même. Il a dessiné un bateau. On a demandé au petit enfant, la Jessie et l'Ekogaka. À Jessie, nous avons remarqué que la, la signature de, du cyborg n'est plus la même. La signature qu'il a, que. que de, que Farjon a utilisé durant une année là. C'est pas la même signature que lui la vient de signer là pendant le, le sommet. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la signature là n'est plus la même Le petit là répond il dit, oh, vous savez que euh, Ali Bongo était malade, il sort de l'AVC, donc il reprend peu à peu ses esprits. Euh, il vient de signer. C'est la première fois qu'il signe. Donc, euh, bien entendu, quand quelqu'un signe comme ça pour la première fois après une longue maladie, sa signature n'est pas la même. C'est pas moi qui parle, oh, le petit là. Il a dit que la signature qu'Ali Bongo a faite là, là c'était lui qui a signé. Mais toutes les autres signatures là, qu'on nous a présentées, qui signait ça? Nous nous, nous, nous nous posons des questions Parce que cette déclaration là est dangereuse Elle est dangereuse Moi je ne suis pas surpris En fait euh, Jesse Elé Koga Est en train de nous dire que Ali ne gère plus le Gabon Parce que Tous les décrets qu'on nous a présentés pendant un an Quand Ali Anga était président De la république gabonaise la, Le gouvernement du du 12 janvier 2019. Le décret du 12 janvier 2019, on a, on a nommé des gens. Qui a signé ça Parce que la signature était bonne. C'est vous qui avez dit que c'était Ali qui signait. Vous, dans votre mensonge. Nous, on a vu que la signature, c'était n'était pas Ali. Vous avez la même signature identique. Vous l'avez utilisée le 30 janvier 2019 au remaniement du gouvernement. Qui signait là? La signature était bonne. Le, le 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 10 juin, le 10 juin 2019, nouveau gouvernement. Qui a signé? C'était la signature de qui? L'homme que vous nous avez présenté le 30 janvier qui faisait ou le 12 janvier qui faisait euh, euh, qui était là devant pendant que les ministres étaient en train de procéder à la prestation de serment. C'était qui? C'était qui lui là? Lui là, c'était qui? Hein? Le, le, le décret, le 7 août 2019, euh, Marie-Madeleine Borancho se positionne aussi, elle aussi prend la signature, elle utilise aussi la signature. Le 7, le 7 août 2019, le décret numéro 00143 bar PR. Qui a signé ça C'est qui? Parce que là, c'est le porte-parole du président de la République qui est en train de parler, qui a dit que... Lui là qui est venu dessiner le bateau là, il, y a eu des, il, il signe comme ça parce que bon il sort de l'AVC. Bon, comment quelqu'un qui était en plein soi-disant. Moi je dis que ce n'est pas Ali, lui hein, Lula, ce n'est pas Ali. Pour moi, ce n'est pas Ali. Bon, pour vous qui pensez que c'est Ali, est-ce que vous pouvez expliquer aux Gabonais que lui qui sort de l'AVC, deux mois plus tard, il signe bien. Trois mois plus tard, il signe bien. Quatre mois plus tard, il signe bien. Cinq mois plus tard, il signe bien. Six, sept, huit mois plus tard, il signe bien. Neuf mois plus tard, il signe bien. Mais enfin, maintenant, après un an, parce qu'il a eu, il est mort le, le 24 octobre 2018, On a dit, il a même fait l'anniversaire de sa mort, il signait bien. Puisque après sa mort, il a encore nommé les gens. Après l'anniversaire de son décès, il a nommé encore les gens. Il a nommé les gens le 7 novembre. Il a bien signé. Le 2 décembre, il a encore bien signé. Un an après sa mort, il signe bien. Maintenant, arrivé au sommet, devant les autres présidents, il signe tout d'un coup mal. Il signe maintenant mal. Il fait un battu, il dessine le battu, les, les bateaux à, à voile. Mais enfin, là où il est censé signer maintenant très très bien, il signe très très mal. Bon, nous, étant intelligents, cohérent on se pose des questions nous nous posons un certain nombre de questions enfin vous avez le droit de nous mentir mais mentez dans la cohérence ne mentez pas en nous emmenant c'est pas possible on ne peut pas organiser une guerre euh, euh, de l'espace sous l'eau ou bien une guerre navale dans l'espace Mentez bien, faites le vrai mensonge. Là, c'est quoi, c'est ça? C'est comme ça, comment? Là, c'est pas bon. C'est pas bon, mon petit. Jesse et Tu es en train de nous dire en fait, en fait, en fait que c'est pas Ali qui, qui gère le Gabon. Parce que nous, on aimerait qu'Ali signe devant nous. On ne demande pas beaucoup de choses. On veut le voir signer. C'est tout. Si c'est lui-là, Ali, qui signe devant les Gabonais, on veut voir comment il va signer. Comment expliquer que le. le, 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 le il, est, il est mort le 24 octobre 2019. Il a prononcé un discours de deux secondes, de deux minutes, le 31 août, le 31 décembre 2018. Le 31, il est mort le 24 décembre 2018. Il prononce le discours le 31 décembre 2018. Il n'a pas les lunettes. Il ne porte pas de lunettes. Il lit. Bon. Il, il, il procède au conseil des ministres, il n'a pas de lunettes. Pourquoi au sommet il a mené des loupes Des loupes Il porte les loupes, pourquoi Ça veut dire que lui là qu'on montrait avant qu'il n'avait pas de lunettes là, ce pas lui. C'est pourquoi le chien, le chien, le chien, le chien, le vrai chien d'Ali Bongo, qui à la sabielle, avait piqué les dents à un. Ça avait fait venir un sosie là, qu'on avait mordu. Il vous a porté plainte à l'international quand il est reparti. Mais enfin, quel est ce banditisme au sommet de l'État Ça un Mais c'est pas possible. Nous on se pose un certain nombre de questions, mon petit. Bravo, Jesse est là une femme. Tu as dit la vérité. Depuis que lui est mort, c'est la première fois qu'il signe. Toutes les signatures là, n'était pas lui. Ça veut dire comme Borancho, tu es là de manière illégale. On ne t'a pas le décret, c'est faux. Ça veut dire qu'on corbe, tu dois démissionner parce que toi, ton décret là, ce n'était pas un vrai décret. C'est farjon Si on enlève Fargent, mais c'est que toi aussi on doit t'enlever. Tout le monde, même Bilibibon. Bilibibon aussi doit partir là, Tu ne dois pas rester là. Vous tous, vous devez partir parce que le petit Ali... Il a dit que lui, il vient de se remettre de maladie. Il ne peut pas bien signer. Là, il ne peut pas mentir. Parce que là, pour adopter les résolutions, là, ah, il ne pouvait pas donner la photocopie de la signature et le cacher comme Mborancho et, Mborancho et puis Farjon, c'est discuter le cachet. Et puis la photocopie de la signature. Parce que Mborancho et puis Farjon, c'est discuter ça. Le 7 août, quand Mborancho fait passer son truc, les neuf juges. Mais Farjon n'est pas dans la salle. Et vous allez remarquer que Farjon Morancho était la seule personne, la seule, la seule haute autorité qui n'est pas allée à la villégiature de Farjon. Les deux ne s'entendaient pas. Parce que les deux-là se disputaient le cachet, le cachet, de, de, le, le cachet la, la photocopie de la signature. C'est-à-dire que les deux. Parce qu'on m'a dit que Farjon, en train de faire aussi son cachet pour sortir de prison, il va faire un décret là-bas. Avec la signature, il a ça. C'est lui qui est parti avec ça. Donc à tout moment, Farjon peut sortir... Il met le cachet et dit oh, le décret présidentiel, oh, oh, Fajon doit, doit sortir d'ici. Ça arrive. Nous nous posons un certain nombre de questions. Hein? Mon petit euh, euh, Jesse Elaekoga. Oui, tu as, tu as dit la vérité, mon petit. Il a dit la vérité. Hein? Cher peuple gabonais, Jesse Elaekoga vous dit qu'Ali Bongo n'existe plus. Et il n'est pas le seul dans cet exercice. Avant de, de prendre Ndundangoy, Justin, l'honorable, nous allons prendre une deuxième personnalité qui nous dit aussi que Ali Bongo n'existe pas. Ou n'existe plus. Cette personne s'appelle Billy Bibon. Alors, nous allons aller sur Billy Bibon. Euh, Billy a récemment, je dis bien très récemment, c'est-à-dire le jeudi 26, c'est-à-dire hier, en Guinée, Billy Bidbon a accordé une interview à RFI. Là où Billy Bon nous explique que Ali Bongo n'existe plus. Lui aussi, hein Billy Bon nous dit qu'Ali Bongo n'existe plus. Je vais vous faire écouter un extrait de, de Billy Bon. Là où Billy Bon dit que Ali Bongo n'existe plus, vous allez écouter. Et on va analyser, parce que euh, j'ai enregistré ça là. Hein, vous allez, vous allez n'est-ce pas, écouter. Voilà, ça c'est l'interview de Billy Bibon. Bon, moi je vous, je vous fais écouter et on va analyser. Concernant l'actualité politique gabonaise, au début de ce mois de décembre, euh, euh, Brice Lacruche Alianga a été limogé du gouvernement puis interpellé dans le cadre de l'opération Scorpion. Qu'est-ce que cela dit de la place qu'il avait fini par occuper dans l'entourage du président Ali Bongo Ce que cela dit surtout, c'est que nul n'est euh, au-dessus de la loi et que finalement, chacun de nous devra, à un moment ou à un autre, répondre de sa gestion. Brice Lacruche avait irrité plusieurs responsables en menant, euh, il y a six mois, une tournée républicaine dans tout le pays alors que le président était convalescent. Euh, comment vous avez jugé cette fameuse tournée C'est une tournée qu'il avait engagée en indiquant qu'il était porteur des messages du chef de l'État. On s'est rendu compte finalement, au vu de la tournée des événements, qu'il n'en était rien. C'est-à-dire qu'il portait plus son propre message que le message du président de la République au vu des décisions qui ont été prises par le chef de l'État par la suite, il semble en effet que c'était sa propre initiative. Et c'est bien dommage. On voit. Bon, vous avez entendu ce que Bilibi Bonne vient de dire. Bilibi Bonne avait -bi -si dit aux sang Bisu -si fallait faire un travail de min min parce que c'est ce que Farjon nous avait dit. Farjo nous avait dit que c'est euh, 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 Ali qui m'a envoyé. Partout, il est parti, partout, 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 partout dans le Gabon. Là. Il est parti dans chaque province. En disant que c'est Ali Bongo qui m'a envoyé faire le message. Il est tellement parti qu'on l'a appelé messager intime. Bilibi Bibon, à Ozuna, ce n'est pas Ali qui a envoyé la cruche. Ndurumbon Nous avons dit Billy Bibon avec yal C'est à cause de ça. Parce que tu es incohérent. Bon, il n'y a pas de problème. Vous avez entendu ce que Billy Bibon a dit. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est Billy Bibon. Nous avons euh. euh Farjon, n'a pas été envoyé par. Euh... Nous allons regarder un peu Farjon. Nous allons écouter un peu Farjon. Mes frères, attrapez le cœur. On n'est pas ici pour faire le sentiment. Les sentiments. On va écouter un peu... Là où Farjon a même parlé de moi. Parce que Gadzuna, Maïla, Ali Bongo. C'est moi qui avais dit que Maïla, le masque qu'Ali Bongo portait, c'est Maïla qui était dedans quand Maïla était parti. À, au Maroc avec les feuilles de Moi, à l'aéroport, on avait vu avec les, le bois sacré, a, a, avec les sanza, dans le sac de voyage. C'est moi qui avais dit que Maïla portait le masque. Farjon est parti citer mon nom. Sans citer mon nom. Il a cité mon nom, sans citer mon nom. Voilà, je vais vous jouer la vidéo parce que vous allez écouter. Ça, c'est Farjon en coco-biche. Parce qu'on va un peu...

vais so pas trop long parce effectivement mon message est prévu à partir de demain. Et les élus locaux seront transportés pour passer le message. Mais en synthèse, en résumé, très simplement, le président m'a envoyé parce que il a remarqué que souvent dans nos affaires de téléphone, de Facebook, de WhatsApp, okay. tout okay. ça, tout ça, Messenger, Snapchat, tout ce que tu veux... Il y a souvent les fake news. On raconte que le président ne va pas bien. On raconte que le président est mort. On raconte que même c'est une marionnette qu'on a créée. On a même dit que c'est Maître Maïla qui est déguisé. Donc, moi, ma soeur, tu sais que moi j'ai pas de filtre. J'ai dis tout. 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 Bon, vous avez entendu, non? Ça c'était... Euh... C'est lui-là, quand Farjon était à Kokobich. Bon, à Bonne. Moi, je voulais poser une question à Bonne. Parce que de tout le monde, je dis bien tout le monde, qui est dans leur gouvernement, là partout, dans les institutions, il n'y a qu'une seule personne qui pas, que je n'ai pas vue avec les yeux, dans la tournée, dans la villégiature de, de Farjon. Il n'y a qu'une personne. La seule personne que moi, je n'ai pas vue avec Farjon. Et, et, et ça, c'est parce que les deux se discutaient, le cachet euh, la signature, la photocopie de la signature et puis le tampon. C'était Mborancho. Parce que Mborancho discutait le tampon avec, euh, avec Farjon. Mais tout le monde est parti avec... Euh, J'ai vu tout le monde avec, euh, euh, avec le Lula. Tout le monde n'était pas Qui, qui n'était pas là Qui Qui qu'on va enlever On va enlever qui Qui va dire que moi, je n'étais pas là-bas, vous ne m'avez pas vu, vous n'avez pas vu mon visage, machin Tout le monde était là-bas. Qui n'était pas là-bas Qui a reçu euh, Farjon Qui a préparé la nourriture quand Farjon est parti à, à Logo Ivindo? À Makoko ce n'est pas Bilibi là qui a reçu Farjon dans, dans, dans la maison à Makoku, qui a fait la nourriture? Ah, Bilibi quand, es, quand Farjon est venu chez toi, ce n'est pas vous qui l'avez reçu. Milebou, présidente de la. de, la, de, la, de, de Babale, du Sénat, elle a reçu euh, euh, Farjon, Dans sa maison. Elle a même fait la, la nourriture. Euh, qui encore? Boukoubi, président de l'Assemblée nationale, dans le Gouelolo, dans le il a reçu Fargent. Dans la maison, préparer la nourriture. Qui encore? Dodo Bougenza. Avec Boukoubi, Dodo Bougenza. Dodo. Réveil Bougenza. Mais Réveil Bougenza a reçu Farjan. Qui n'était pas. La question que je pose, c'est que Zambedia, il m'a dit Mam a Akabo, merci, merci, mille lames, mille Qui, qui lève son nom Il n'y a qu'une personne qui peut enlever le nom dedans. C'est Morancho qui n'était pas là-bas. Vous tous, vous étiez là. Donc, vous voulez me dire, donc, Bilibi Bonne, avait, avait, Ndiaye Zubo Yemna, il faisait ça à son nom. C'est maintenant. Ça veut dire que si Farjon faisait ça à son nom, et que Ali n'était pas là. Mais c'est que c'est très grave. Ce que Billy dit, c'est que c'est grave. En fait, il est en train de nous dire, en plus de ce que le petit euh, le petit euh, Koga a dit, en plus de ce que le petit là a dit, Bilibi Bon est en train de nous dire que Ali Bongo n'existe pas. Parce que tout le désordre que, que, que Farjo a fait là, Prends les avions, euh, amener le gouvernement, transporter tout le gouvernement dans les balades. Ali était où? Ali était où? Donc, bon, le directeur de cabinet du président de la République est parti. Le président ne sait pas que son directeur est dans la ville, dans le pays en train de se balader. Donc, Bilibi Bonne veut nous dire que. que Ali ne savait pas que son président est son garantie. De... Donc, n'importe qui au Gabon peut maintenant se lever comme ça, euh, organiser des, des meetings, partir, quitter sa fonction, euh, appeler tout le monde. Parce que Farjon a, a mobilisé plus de gens que même Ali Bongo pendant l'élection de 2000, 2016. Partout il est parti là. Il faut se dire la vérité. La façon dont Farjon a été accueilli dans le Wellington, Ali Bongo n'avait jamais été accueilli comme ça dans le Wellington. Est-ce que c'est faux ce que je dis à Mabouminal Hein Un corbeau calé, il était là-bas. Un corbeau calé. Ah, 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 compa Mais tous, vous, tous, vous étiez là. Maintenant, tu dis que... Tu as dit que Ali Bongo n'était pas au courant. Ça, c'est ce que Bilibi Bon nous dit. Bilibi Bon avait dit... Ali Bongo... En il y a même un Bon... Moi, j'ai une question qui est fatale. Une question fatale que je veux poser à Bili bon. Bibon. Avant que je te pose la question, j'ai une, une image à te montrer pendant quelques secondes. Comme tu as dit qu'Ali Bongo n'était pas au courant. Mais nous, on a vu un individu.

Donk, on va un peu regade. Ba, ouvi Abie Otsu, Bini Bebon. Paske la, nou, nou on ve savwa. Ali, Abie Bibi Bon, lou la seki. a bili bibon bili bibon nyea bie nzi dzoe e mor ave kobe nyina nze nyele parce que no me me nga dzuna se ali bongo vous avez di que set ali. Bon, okay. ali bongo ok toatudin kue ali bongo neétépe au courant sa l'image là c'est la clôture dede nzang ayong Bilibi Bonia Kobe. Parce que j'ai entendu que c'est toi qui vas être le, pro, le prochain premier ministre après un corbe cale C'est ce qu'on nous raconte ici. Bilibili Bonia avait un premier ministre avec des incohérences comme ça. Maintenant, vous allez tout foutre en l'air. Lula, ce c'est pas Ali. Ce n'est pas, lui que, la, pas lui que vous dites que Lula, c'est Ali. Tu viens dire qu'il oh, euh, euh, se trouve que. Euh, quand on voit la tournure des événements euh, On peut déjà dire Que ce n'est pas, pas Ali qui l'a envoyé Mais qui l'a envoyé On Mais enfin Donc quand tu voyais Ali Dans le conseil des ministres si c'était lui Tu ne lui as pas dit que monsieur chef d'état Mais lui là le blanc là il va Partout partout c'est toi qui l'a envoyé tu ne peux pas lui poser la question quand vous dites bonjour, appelez le conseil des ministres, là, je vois les photos là. Tu ne peux pas dire que, monsieur le chef d'État, le blanc là, il nous amène partout, partout en province. Là, il dit que tu l'as envoyé, tu l'as envoyé là-bas. Parce que moi, j'aurais dit, que est-ce que toi tu as envoyé le blanc là-bas Parce qu'il nous amène, il nous trimballe. Pourquoi tu n'as pas demandé Maintenant tu viens dire au, 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 au vu de la tournure des événements, on, a, on se rend compte que ce n'est pas lui qui l'a envoyé. C'est qui qui l'a envoyé. En fait, on se pose des questions. En fait, tu es en train de nous dire que euh, 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 Ali Bongo n'existe pas. La vérité, c'est ça. Ali Bongo n'existe pas. Ali Bongo, Lula, ce n'est pas Ali. Lula, ce n'est pas Ali. S'il a pris l'initiative, comment Donc vous voulez me dire, donc vous êtes tellement, excusez-moi, je ne veux pas vous insulter. J'essaie de faire un effort pour ne pas vous parler mal. Bon, vous voulez me dire, mais vous ne trouvez pas que c'est honteux même de venir dire qu'il a fait ça de son propre chef. Dans un pays qui fonctionne. Donc, le, le, le Farjon était tellement puissant que de son propre chef, il embarque tout un gouvernement. Il embarque le président de l'Assemblée nationale. Il embarque le président du Sénat. Il embarque les militaires, les chefs de l'armée. Il embarque les maires. On lui donne les clés des villes. On le bénit. On lui donne les bénédictions. Il demande même les terrains. Donc, Farjon était. Donc, ça veut dire que vous ne comprenez rien de ce qui se passe. Donc, en fait, ça veut dire que vous êtes des voyous. Ça veut dire que vous êtes des tocards. Ça veut dire qu'on doit vous dégager. Bah ben, il y a minimum À minima, vous devriez tous terminer en tôle avec vos vos frangins de la Gève. En fait, c'est ce que ça veut dire si si on on regarde ce que Bilibi Bonne est venu raconter. En fait, vous êtes tous des voyous. Parce que si vraiment Farjon a fait ça de son initiative, non, c'est pas Ali Bongo qui l'a. Même si c'est moi même si c'est pas Ali qui l'a. Mais dites quand même que c'est Ali. Là, on va, on va Mais si vous dites que c'est pas Ali qui l'a envoyé, c'est que c'est qu'on vous a maudit. Et puis on vous a maudit et vous êtes véritablement maudit parce que c'est pas possible. Et enfin. Vous savez, il hein, y a un proverbe qui dit, hein, si vous allez dans la forêt et vous, vous, vous rencontrez une, euh, un troupeau ou une famille de lions, une famille de lions dans la forêt, et vous remarquez que cette famille de lions-là est dirigée par une tortue, c'est que vous allez dans la savane, là où les lions vivent, et vous remarquez que... Il y a une famille de lions. Ils sont peut-être une fratrie d'une famille d'une cinquantaine de lions. Et vous vous rendez compte que dans la famille-là, c'est une tortue qui les dirige. Il n'y a qu'une qu seule explication. C'est que, un, les gars-là ne savent plus que ce sont des lions. C'est que, deux, les gars-là se battent entre eux. Ils se battent entre eux. Et trois, ils ne savent plus la force, les attributs. Que, que la nature a, a donné à, à, aux lions. Voilà pourquoi les lions, là, sont dirigés par la tortue, parce qu'ils ne savent plus, ils se battent. C'est la même chose qui se passe au Gabon. Les Gabonais sont dirigés par n'importe qui, parce que nous ne savons plus que nous sommes un peuple, et que nous ne savons plus que le Gabon nous appartient. Donc, n'importe qui arrive nous diriger. Mais dans la nature, vous ne verrez jamais une chose pareille. Tout comme vous ne verrez jamais un animal aveugle dans la forêt. Jamais. Non, enfin, ce n'est pas possible. On ne peut pas nous faire autant de mal. On ne peut pas, notre pays ne peut pas être géré avec autant euh, géré par autant d'incohérences au haut niveau. Ce n'est pas possible. Nous allons continuer avec Billy Bibon. Billy Bibon dit. Parce qu'il faut. On va continuer avec Billy Bibon. Je vous laisse écouter, mais on va continuer parce qu'après, il va parler de Noureddin. On va lui poser des questions dans la même interview. On lui pose des questions sur Noureddin. Nous allons écouter ce qu'on lui, on lui pose comme question sur Noureddin. Euh, il faut prêter l'oreille. Hein? Il faut prêter l'oreille. On va analyser aussi. Toutes pour euh, être comme cela, euh, malheureusement exposé au flux du marché, ou est-ce qu'il faut quand même. Le cadre de l'opération Scorpion, qu'est-ce que cela dit de la place qu'il avait fini par occuper de ce mois de décembre euh, euh, Brice Lacruche, Alianga a été limogé du gouvernement, puis interpellé dans le cadre de l'opération Scorpion. Qu'est-ce que cela dit de la place qu'il avait fini par occuper dans l'entourage du président Ali Bongo ce que cela dit surtout, c'est que nul n'est euh, au-dessus de la loi et que finalement, chacun de nous devra, à un moment ou à un autre, répondre de sa gestion. Brice Lacruche avait irrité plusieurs responsables en menant, euh, il y a six mois, une tournée républicaine dans tout le pays alors que le président était convalescent. Euh, comment vous avez jugé cette fameuse tournée C'est une tournée qu'il avait engagée en indiquant qu'il était porteur des méchants du chef de l'État s'est rendu compte finalement, au vu de la tournure des événements, qu'il n'en était rien. Au vu des décisions qui ont été prises par le chef de l'État par la suite, il semble en effet que c'était sa propre initiative. Et c'est bien dommage. On voit émerger dans la nouvelle équipe euh, le fils aîné du chef de l'État. Il s'appelle Nourdine Bongo-Valentin. Il est coordinateur général des affaires présidentielles. Peut-on parler de monarchisation du pouvoir encore une fois, cette fonction a déjà existé au Gabon. Elle est occupée par M. Jean-Pierre Lemboumba, par M. Jean-Rémy il Et on n'a pas parlé de monarchisation à l'époque. Vous savez, c'est un, un concept qui est ici utilisé par l'opposition pour faire oublier un peu qu'elle est devenue en réalité une fabrique à polémique plutôt qu'une fabrique à projets. Après le grand-père Omar et le père Ali, peut-on parler du fils Nourredine, qui est appelé à de très hautes fonctions au Gabon bah, ce n'est pas la première fois que quelqu'un de la famille Bongo est appelé à de hautes fonctions. Madame Pascaline Bongo avait été directrice de cabinet, M. Ali Bongo avait été ministre, euh, les fils et gendres de Omar Bongo ont été eux-mêmes ministres, on n'en a jamais parlé. Il n'était pas question à l'époque de monarchisation Pour le c'était un haut fonctionnaire et c'est au, au pied du mur qu'on jugera le maçon. Oui, mais 28. Bon... Euh, chers compatriotes, vous savez, hein, si, je me, si je prends le temps d'analyser les conneries que Billy Bibon est en train de raconter là, c'est parce qu'il est ministre, il est ministre des Affaires étrangères et il est ma cible. Et il faut quand même noter au passage que Billy Bibon est en train de s'expliquer ici dans une radio internationale. RFI. C'est une radio internationale. Et que vous le vouliez ou pas, il parle au nom du Gabon. Et je trouve quand même anormal que cet individu raconte autant de sottises et les gens, il n'y a pas quelqu'un pour lui dire que non, non, tu racontes des conneries. Tu racontes des conneries. Parce que Billy Bibon, moi je veux te dire, tu ne peux pas comparer, vous les PDG, vous ne pouvez pas comparer Noureddine Noureddin Bongo, avec Jean-Pierre Limboumba. Non, parlons d'abord du profil. Allons-y d'abord dans le profil. Parlons du profil lié à cette fonction. Mais, mais vous aussi. Le, le président de la République d'un pays est une institution. C'est une institution. Alors, le porte-parole d'un président de la République, ça ne doit pas être n'importe qui. Non On, est, on, on, laisse même, on met d'abord le fait qu'il soit le fils du, du, du défunt. On met, on met ça à côté. Parlons de profil. Et on est là dans une fonction politique. Nous ne sommes pas en train de parler de n'importe quoi. On parle d'une fonction politique dans un pays qui est, qui est dans une, une crise profonde, qui est en pleine crise. Et le, 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 la fonction de coordinateur général des affaires de la présidence, c'est quelqu'un qui gère, qui doit gérer l'administration politique de la présidence. La présidence gère, là-bas se gèrent toutes les institutions. Toutes les institutions sont gérées dans la présidence. Mais on doit mettre quelqu'un qui, qui est doté d'une forte expérience politique. Ou de la, mettons d'abord les diplômes à côté. L'expérience politique. Noureddin Sordou. Noureddin, il a travaillé où Ce n'est pas les diplômes. On ne gère pas un pays d'abord avec les diplômes. Parce que tous les connards. Bon, excusez-moi, je ne voulais pas dire tous les connards. Tous les voyous qui gèrent, qui ont gaspillé le Gabon, là, ils sont tous diplômés, non? Tous ceux qui, gèrent, qui ont gaspillé, ils sont tous diplômés. Pourquoi ils, ils ne sont pas arrivés à gérer le Gabon Si c'était seulement une affaire de diplômes. Mais dans le PDG, il y a des grands diplômés, il y a des professeurs d'université, des de, 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 de professeurs de haut niveau. Il y a des gens qui ont géré le Gabon avec de très hauts, de, de diplômes que même les gens ici n'ont pas. Quel est le bilan de cette gestion? Bon, mais quittons-la. Donc, dans le profil, Noureddin ne peut pas parler avec les Mboumbas. Noureddin a fait quelle preuve? Vous, comment? Noureddin, est, il est producteur. Il produit les artistes. C'est tout ce que nous, tous les Gabonais. Moi, je n'étais pas au Gabon. J'ai quitté le Gabon en 99. Moi, je me il Mais Noureddin, d'abord, il m'est revenu. Les amis de Noureddin me disent que Ali Bongo, de son vivant, avait toujours refusé que Noureddin fasse de la politique. C'est pourquoi Ali Bongo avait gardé Noureddin loin de la politique. Quand Ali Bongo était vivant, Noureddin, toutes les conneries qu'il a en train de faire là, c'est sa mère. C'est elle qui est en train d'entraîner l'enfant. Elle est petit, saint, comme les pelotes. C'est elle qui, a amené, qui est en train d'entraîner le petit enfant là. Parce qu'elle a soifé du pouvoir. C'est le, le père adoptif de Nouredine. Ali n'avait jamais voulu que la femme fasse sa politique. On, on, on m'a appelé pour me dire. Les amis de Nouredine m'ont appelé. Non, enfin quand même. Quel est le problème que vous avez? Nouredine, à quel? Voilà son, son restaurant. Qui est en train de mourir là-bas à l'Omayena, qui est déjà au tombage. Il ne sait pas gérer. Quelqu'un qui ne sait pas gérer un restaurant, vous pensez que c'est un pays qui peut gérer Avec tout l'argent là, tu n'es pas capable de gérer un restaurant Tu n'as pas. Il a, il a produit des artistes, de tous les artistes que Noureddin a produits au Gabon. Quel est l'artiste aujourd'hui qu'on connaît qu dans le monde entier, qu'il est devenu fort Comme euh, la Côte d'Ivoire euh, euh, a produit le Magic System. Avec euh, l'autre là qu'on a déterré dernièrement, là, que, que les gens sont allés vérifier son corps si c'est lui-là. Bon, enfin, mais il y a les autres ont produit des, des artistes. Lui-là a produit qui? Que nous on va voir que lui là, voilà nous le dit qui a produit lui-là. Qui pourrait aussi produire le Gabon. Mais il faut qu'on le regarde. Bon, un petit enfant comme ça, Barbu, parce qu'il est métisse. Vous voulez le mettre au, 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 au machin. Mais enfin, il ne faut, faut pas déconner. C'est quoi cette histoire Et puis, les Mbumba, maintenant, dans, les, dans, les, dans les, les prérogatives liées à la fonction, les son rôle. Parce que moi, je vais vous lire. Parce que la, la fonction, ils occupaient la même fonction, mais pas avec les mêmes prérogatives. Moi, je vais vous lire. Je vais vous donner, je vais vous donner la description de, de, de les c'est-à-dire, parce que quand on te nomme, on peut te nommer euh, euh, chargé de, des affaires présidentielles. Mais quelles sont tes prérogatives Bon, moi je vais vous, je vais vous euh, euh, dire les prérogatives de. de, de l'imboumba. Attendez. On disait le coordinateur général des affaires présidentielles traite directement des dossiers. Qui lui sont confiés par le président de la République. Il coordonne l'activité des hauts représentants et des représentants personnels. Voilà les prérogatives de Lembumba quand il occupait la fonction. On dit, on disait, que le coordonnateur général des affaires présidentielles traite directement des dossiers qui lui sont confiés par le président de la République. Point. Il coordonne l'activité des hauts représentants et des représentants personnels. Ça, c'est pour les Mbumba. Maintenant, regardons les attributs liés à la même fonction. Hein. Décret du 5 décembre 2019. Ça, c'est maintenant Noureddin. On dit pour Noureddin, on dit le coordinateur général des affaires présidentielles. Assiste le président de la République dans la conduite de toutes les affaires de l'État et veille à la stricte application de ses décisions. Mais enfin, vous voyez bien qu'il y a une différence. C'est pas, la même fonction, mais avec des pouvoirs différents. On n'a pas besoin de sortir de la cuisse de Jupiter pour comprendre ça. Voilà! Le coordinateur général des affaires présidentielles assiste le président de la République dans la conduite de toutes, on dit bien toutes, les affaires de l'État et veille à la stricte application de ses décisions. Mais c'est un président de la République bis. Hein? Donc, maintenant, la question que moi j'ai envie de vous poser, c'est quelles sont les, attributs, les attributions dévolues au vice-président de la République et au Premier ministre, qui ont des missions constitutionnelles et celle d'un coordinateur qui se place politiquement et administrativement au-dessus d'eux. Il faut nous donner les raisons, parce que on ne peut pas continuer, mes frères. Mais, mais écoute, Abili nous ne sommes pas des idiots. Hein. Il n'y a pas la fonction, vous dites, bon, on ne peut pas s'arrêter seulement à dire que non, c'est le, le coordinateur général des affaires présidentielles. Non, oui, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il y a Enfin, on peut vous donner, on peut vous dire euh, avant-centre chargé de la défense ou bien avant-centre chargé de l'attaque. Vous êtes des avant-centres. Il y a des avant-centres qui sont plus défensifs et des avant-centres qui sont plus offensifs. C'est ça, il y a des attributions. Vous avez le même poste, oui, mais. Vous pouvez avoir un avance centre à qui on dit oui, tu es avant-centre, mais de temps en temps, va là-bas combler un peu les autres. Ou bien vous avez un meneur de jeu qui marque, on lui dit que tu es meneur de jeu, mais toi tu as le droit de marquer. L'autre, on lui dit que tu es meneur de jeu, toi tu as le droit de défendre. Voilà. Ça dépend des attributions qui sont liées à la fonction. Vous pouvez avoir la même fonction, mais avec des pouvoirs différents. Vous ne pouvez pas comparer le pouvoir de Lembumba à celui de, de, de Nourédine. Noureddin est président de la République en ce moment. C'est lui qui décide de tout. Montrez-moi une seule photo de l'époque où des gens sont venus voir Omar Bongo et puis Lembumba est à côté de lui en train de prendre les notes ou en train de donner des directives. Une seule photo. À l'époque. Mais là, tous les jours, quand euh, euh, votre, votre défunt là va au boulot, euh, Noureddin est dans la voiture avec lui. Quand il arrive, Noureddin descend de la voiture avec lui. Quand il part, Noureddin monte dans la voiture avec lui tous les jours. Les gens nous, 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 nous expliquent ça ici, non? Les mêmes gens qui sont à la présidence, ça nous appelle. C'est Noureddin qui décide en ce moment. On rend, tout le monde là-bas rencontre compte à Noureddin. Pourquoi vous voulez mentir? Mais Donc, c'est ce qui se passe. Arrêtez de raconter des conneries au peuple gabonais. Peuple gabonais. Le, pré... le Gabon est géré par Nouredine. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'un enfant qui ne peut pas gérer une, euh, une pizzeria et des artistes, vous pensez que c'est vous qu'on va vous gérer Mais vous allez voir, lui-là va faire même plus de dégâts que Farjon. Farjon, encore, c'était un bandit de grand chemin qui connaissait, le, qui connaissait un peu le banditisme. Mais lui, là, le petit enfant-là... Attendez. Maintenant, en tout cas, moi je voulais vous dire que laissez-moi les histoires de Billy euh, Nous allons rentrer sur Nunangoy. Je vais vous parler maintenant de, de l'honorable Justin Nunangoy. Andu Dangoy. Les Américains disent hein, euh, euh, You're going to have your own test of your own medicine. You're going to test your own medicine. Ça veut dire que tu vas maintenant subir un peu ce que toi-même, le médicament que toi-même tu as créé. Là, tu as vu, vous là, les, les députés gabonais, j'ai honte pour vous. Vous, les députés, j'ai honte. Moi, j'avais toujours appris que les députés, c'était un contre-pouvoir. Un pays a trois pouvoirs le pouvoir euh, exécutif, le pouvoir législatif. Vous avez le pouvoir judiciaire et autres. Regardez ce que vous êtes devenu. Regardez ce que vous, les, les députés gabonais, vous êtes devenus. Et vous devenez comme ça parce que ce n'est pas le peuple qui vote pour vous. Vous devez votre. Euh, votre élection, votre présence à l'Assemblée, au banditisme, le vol d'argent, vous donne l'argent pour aller faire les, les soudoyer. C'est pourquoi vous êtes devenu comme ça. Regardez ce que vous êtes devenu. Est-ce que c'est ça un pays? Moi, je, moi, moi comme l'a dit, euh, comme le disent d'autres, hein, moi, Justin Doudangoy, c'est un voyou. Il est même bête. Vraiment, je le dis avec beaucoup de respect. Parce que Doudangoy, tu as l'argent que tu as volé. Bien, va en Tu n'es pas capable avec tout l'argent de sortir du Gabon. Tout l'argent que tu as bâché là, tu ne peux pas sortir du Gabon. On t'attrape à chaque fois, on est un petit poulet. Tu ne peux pas sortir du Gabon, toi. On t'humilie à la frontière, on t'humilie devant les avions. L'avion décolle, on te fait. C'est la première fois que j'ai vu un avion à décoller et on demande au pilote d'aller tourner au rond-point. Il revient, il atterrit et tu sors. Tu ne peux pas lui donner tout le pognon que tu as avec mon frère. Ne, 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 ne tourne pas au rond-point, continue tout droit. Je te donne tout le pognon que j'ai. Tu, tu ne me ramènes pas là-bas. Tu ne peux pas. Tu arrives à la frontière. On t'attrape à la frontière dans un pick-up avec les bidons d'eau. Tu ne peux pas dire que, bon, les gars, moi j'ai 3 milliards là. Tenez mes, mes milliards. Vous n'allez jamais avoir l'argent là. Je vous donne un milliard à chacun. Laissez-moi laissez traverser au Congo chez moi. Mais enfin, tu te fais attraper comme ça moi, on me donne 500 millions. Je quitte du Gabon en marchant. Je ne cours pas. 500 millions. Tu me donnes 500 millions de francs CFA. Je vais quitter le Gabon là en marchant. Je ne vais pas courir. Parce que le Gabon, c'est chez moi. Je vais marcher. Po, 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 po. Personne ne va m'arrêter. Mais toi... Enfin, tu ne peux pas donner même à quelqu'un, tu es avare à ce point-là que tu ne peux pas donner à quelqu'un les, les gars -là qui t'ont attrapé là. Ils sont pauvres. Tu ne peux pas donner à quelqu'un chacun 50 millions, 50 millions, 50 millions les gars. Laissez-moi traverser, s'il vous plaît. On te laisse passer. On t'attrape à chaque fois. On dit un poulet. Et on te filme, tu es là, on te filme. Tu ne fais que vouloir fuir. Tu ne fais que vouloir fuir. Tu ne fais que vouloir fuir. Mais enfin, si tu ne voulais pas fuir, tu t'es retrouvé à la, à la frontière là-bas comme avec un, un pick-up à les bidons d'eau. Mais enfin, tu peux t'habiller comme Tarzan, tu, tu, tu traces directement dans la forêt, tu prends quatre gars, tu dis à les gars, on fonce en brousse. Mais enfin, je ne comprends pas. Des gars qui ne sont pas capables d'attraper Alexis Toi, on t'attrape. En plus, tu es noir. Oh. Tu fuis la journée. Pourquoi? Tu es très noir. Fuis la nuit. La nuit, on ne va pas te repérer. Tu te mets nu. Tu ne t'habilles pas. Tu, tu plonges dans la forêt la nuit. Tu enlèves les habits. Et tu rentres dans la forêt. Ils vont te comment. Tu ne portes aucun habit qui est blanc. Tu ne portes pas les habits qui Tu vas nu. On ne va pas te voir dans la forêt. Tu vas par la route la journée avec un petit qui est immatriculé, euh, qui est bordeaux, avec beaucoup de bidons derrière, machin, tout, Avec le, le, le vin de palme. Tu es en train de boire un chemin, tout, En train de chanter ta chanson dans la cassette. Comment tu veux qu'on va... On va t'attraper, mon petit. Alexine Douna a fui. Toi, on t'attend pourquoi? Et puis, pour, pourquoi tu obstiné à vouloir rentrer par le Congo? Il y a quoi au Congo? Qui a, tu as une baude là-bas ou quoi? Il y a une, une baude qui t'attend au Congo? Pourquoi forcément par le Congo? Tu pourrais fuir en Guinée équatoriale ou au Cameroun? Pourquoi forcément au Congo? Bah, Moi, je ne comprends pas. Est est la, 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 pourquoi, pourquoi tu obstiné par le Congo? Voilà maintenant comment. Je t'avais dit qu'on allait t'attraper, non J'avais dit ça quand tu étais parti de traumatiser le pauvre anniversaire avec la femme qui était habillée comme là. Je t'avais dit que toi, on va t'attraper. J'avais dit ça à Ndunangoy. Maintenant, tu es là, vous me cherchez pourquoi me... Voilà, on t'a cher... voilà, cherché, mais on t'a attrapé. Il faut chan... Chan... changer les... les paroles. On va dire mais Vous m'attrapez pourquoi Vous m'attrapez pourquoi Laissez-moi partir, partir. Parce que là, c'est fini, là. Là, dans, dans une ou deux semaines, tu, tu es en prison. Et vous, les pédégistes, ce que les autres subissent là, vous allez subir ça. Vous blaguez avec Nouredine pour rien. Nouredine n'est plus bandit et plus sorcier que tous ceux qui sont passés avant là. Nouredine, vous blaguez avec Noureddin, le petit enfant que vous voyez là. Vous allez subir. Vous ne voulez pas. Changer. On vous demande que. Enlevez les gens là. On enlève, on reconstruit notre pays, nous tous ensemble. Vous ne voulez pas. Vous voulez insister. Vous voulez insister. Vous voulez insister parce que vous mangez l'argent. Mais vous allez manger l'argent jusqu'à quand Vous allez terminer en tôle. Vous, parce que, moi je veux vous dire, ça va mal se terminer ça. Vous allez mal terminer avec ce que vous êtes en train de créer là. Continuez. Vous pensez que vous allez aller où Vous irez où comme ça Là, où vous n'êtes vous même plus capable de vous soutenir entre vous. Les Ageviens ont voté pour euh, contre nous, Oh euh, quoi, Quel est ce groupe de malfaiteurs qui ne s'entendent pas Billibibone est maintenant en train de trahir Fadjan. Ouah, Atalazam, bon? Oh, c'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça. Il y a que Wilson. Là vous allez envoyer un noir en tôle. Bon, c'est bien bon là, il est au B 2 là. Vous avez levé l'immunité. vous avez dit que ok, il est, c'est un voyou, il a volé l'argent. Nous on sait que ce n'est pas à cause de l'argent que lui l'a pas en prison. Hein. Parce que vous l'accusez, vous avez, vous accusez Nundangoy. ce qui lui est reproché c'est quoi? J'ai pris un peu les notes. Il a fait une, il a fait une note là. J'ai écouté tout ce qu'ils ont dit. J'ai écouté tout ce qu'ils ont dit à l'Assemblée. On m'a envoyé les audios. Normalement, moi je vous pose une question. Pourquoi les choses qui se passent à l'Assemblée, ce n'est pas télévisé Pourquoi vous faites les choses en cachette Normalement, l'Assemblée doit être la maison du peuple. Ce qui se passe là-bas, sauf si c'est un secret, mais on doit voir la levée d'immunité de... De, de, de Ndundangoy devait être public. On devait laisser les Gabonais voir ça à la télé. Pourquoi vous avez fait ça en cachette On accuse Ndundangoy de... C'est Ndundangoy lui-même qui a parlé. Il dit qu'on l'accuse de délit de corruption, délit de blanchiment d'argent, délit de détournement de fonds publics. Et dans les détournements de fonds, il est accusé d'avoir détourné 1,4 milliard de francs CFA. Une somme que lui aurait donné le directeur financier de l'Oprague. Ataranzam. Bon, enfin. 1,4 milliard de francs Nous, on connaît comment l'argent est volé dans les entreprises gabonaises. On sait. C'est un coup de fil. Hein. Oh, la présidence appelle. Il oh, y a combien dans les caisses Il oh, y a 5 milliards. Bon, c'est 1 milliard de amener à la présidence. Le patron a besoin de ça. C'est un coup de fil. Et des caisses, ils décaissent ils amènent tranquillement. <laughs> vous n'avez pas besoin. On sait comment ça se passe. On, est, on était dans la machine. Coup de fil de la présidence. Bon, le patron veut. Il y a combien dans les caisses Bon, nous, on a, on a une entrée de 5 milliards ou 4 milliards. Bon, amenez 1 milliard et demi, débrouillez-vous. Le patron en a besoin. Fin, man. Coup de fil. Ndundangoy, oh, euh, tu connais. Vous, tous qui êtes là-bas, vous savez comment ça se passe. Bah, de bêtir on connaît. L'argent est sorti. Mais nous ne sommes pas idiots. On sait que ce n'est pas l'argent. Tu as accusé de autre chose. Parce que tu n'as pas volé plus d'argent qu'à Toi, tu n'as pas volé plus d'argent que Seloukan. Tu n'as pas volé plus d'argent que, que Liban Suleiman. Tu n'as pas volé plus d'argent que, que tous les voyous qui sont là dehors. Parce qu'à Bongo aujourd'hui, Selon le magazine Forbes Forbes. Et Forbes, c'est un magazine qui est, qui est crédible. Forbes a dit qu'Ali Bongo, au moment où on parle là, il est le président africain le plus riche. Ali a gagné l'argent là-haut. On connaît le salaire d'un président. Il a gagné l'argent là comment? Lui doit aller en prison. On doit mettre son cadavre en tôle. On connaît, on connaît ce qui se passe. On n'est pas bête. On te laisse partir subir ton régime parce que vous la famille quand, quand vos parents font du désordre vous soutenez voilà maintenant lui a dû subir lui il dû subir Thomas Sankara quand on avait mis quand le président de la République de la Haute Volta avait mis Thomas Sankara en prison vous savez qui avait libéré Thomas Sankara c'est le peuple avec une partie de l'armée qui était allé le libérer pour le mettre directement à la présidence. Vous savez pourquoi on avait libéré Thomas Sankara Parce que Thomas Sankara était crédible. Vous savez qui avait demandé au président de la Haute Volta de mettre Thomas Sankara en prison C'est la France. C'est la France qui avait dit au président de la Haute Volta que, j'ai même oublié son nom, écrivez-moi son nom là, qui avait demandé au président que même nous, Thomas Sankara, parce que Thomas Sankara avait reçu Kadhafi dans la Haute Volta. Ça veut dire que le gars, le gars là, nous défie. Mettez-le en tôle. On a mis Thomas Sankara en prison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple, le peuple était venu libérer Thomas Sankara. Le peuple était venu libérer. Pour mettre Thomas Sankara à la présidence, au palais. Vous, on vous arrête comme des rats. Vous, vous avez vu. Et pourtant, vous avez fait les. Vous avez fait les, les discours partout, partout, vous là. Vous êtes allé partout faire des discours. Vous, vous avez fait des discours euh, euh, dans le Gabon, les, les, les pédégistes là. Vous êtes partis un peu partout. On vous a vu. Euh, voilà, je vais vous montrer. Attendez Je vais vous montrer quelque chose. Attendez. Je vais vous montrer. tous les gens-là, tous les gens-là, pourquoi les gens-là ne sont pas venus vous libérer Regardez les gens. Ça, c'était en Zanayon. Voilà les gens qui étaient en Zanayon. Bon, Tout le monde-là ne vous libère pas. Pourquoi La question que je pose aux pédistes, vous qu'on a attrapé là, pourquoi tout le monde qui est là, que je vois dans les vidéos, là où vous étiez partout, partout, partout là, pourquoi ils ne vous libèrent pas Pourquoi ils ne font même pas une marche Pourquoi Pourquoi Parce que vous passez vos vies à soudoyer les gens. Vous pensez qu'on soudoie. Vous les pédégistes, je sais que vous êtes connectés nombreux là. Il faut écouter. Ayez un minimum de savoir-faire politique. Vous ne pouvez pas passer vos vies à être des lilliputiens politiques. Ayez un minimum de savoir-faire. Un minimum de culture politique. Vous tous là, vous n'avez pas de base politique. Vous n'avez pas un électorat. Vous n'avez pas des gens qui vous suivent. Vous ne le voyez pas en France quand vous regardez BFM. Vous ne le voyez pas en ce moment, il y a des grèves. Vous allez voir Mélenchon est là avec le, le, le syndicat, la CGT. Vous allez voir Marine Le Pen est là. Et, et, et ça se répercute, on voit ça dans les présidentielles. Quand il, y a le, quand il y a les présidentielles, Marine Le Pen, Mélenchon, ils seront toujours en tête au deuxième tour. Parce que chaque fois que les, les, le peuple a un problème, ils sont là. Vous, vous passez vos vies qu'à corrompre. C'est pourquoi vous êtes corrompus. Vous êtes tellement corrompus. Regardez, on vous attrape comme des rats, comme les mangues. On veut vous cueillir n'importe comment. Personne ne se lève pour vous. La jève était là-haut, tout le monde. Oh la Gève, oh messire, la jève construit ici. Oh messire, les gars de la jève là sont forts. Mais je n'ai pas vu quelqu'un se lever pour vous. Je n'ai même pas vu quelqu'un déchirer sur un cahier, même un pull vert, en route avec la colère. On vous regarde comme ça. Les gens étaient au, au tribunal seulement pour vous filmer comme si s'ils si, si, étaient au cinéma. Mais je ne vous comprends pas. Vous avez vu les autres Vous êtes là, on vous, on, vous, on vous regarde, on est en train de regarder ce que vous êtes en train de faire. Personne n'est avec vous, personne ne vous soutient, personne ne vous se manifeste. Parce qu'un homme politique sait qu'il a des militants quand il est en situation difficile. Regardez Kamto. On a mis Kamto en prison au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué les gens étaient dehors, au Cameroun comme, comme dehors. Voilà Guillaume Soro qui est en train de subir là-bas en ce moment, en Côte d'Ivoire. Vous allez voir ce que Guillaume Soro va faire. Guillaume Soro, il a les gens. Vous allez voir ce que Guillaume Soro va faire. Guillaume Soro va vous montrer la politique au haut niveau. Mais regardez chez nous. Regardez chez nous au Gabon. Les gens n'ont pas. Personne n'a les gens, vous êtes là, on vous fait du mal, on vous, on vous cueille comme des manques, comme ça vous avez l'argent. Vous n'êtes même pas capable de. Il de, n'y a même pas un commando qui se lève, même pas quelqu'un qui se fâche, même qui gronde, même quelqu'un. Rien. Rien. Rio. Vous êtes vraiment fort, vous Enfin, je me pose des questions. Je me pose juste des questions. Je conclus euh, ce live. Parce que je suis resté un peu longtemps. Je ne voulais pas rester autant. Je conclue cela en disant au peuple gabonais Mes frères, Ali Bongo, c'est fini. Le Gabon, c'est notre pays. Je vous ai dit que si vous allez en brousse et vous trouvez un, un, une famille de lions, ils sont une vingtaine de lions et ils sont dirigés par une tortue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit les lions-là ne savent plus qu'ils sont des lions, ils ne savent pas que c'est la tortue qui est là. En fait, ils ne savent plus qu'ils sont des lions, ils ne savent plus la fonction du lion et ils se battent entre eux. Ils ne savent pas que nous sommes une famille. Voilà pourquoi la tortue arrive à, à rentrer dans cette famille et les diriger n'importe comment. Et c'est ce qui arrive au Gabon. Les Gabonais sont réduits à du n'importe quoi et n'importe qui vient nous diriger parce que nous, avons, nous ne savons plus c'est quoi être un peuple. Nous ne savons plus que le Gabon nous appartient. Nous ne savons plus que ce pays-là, c'est notre pays. C'est pourquoi n'importe qui arrive de n'importe où. Vous venez nous diriger. C'était à qui était là. Un béninois. Il est parti avec l'argent. Farjon Fajon aussi, demain après vous allez entendre qu'il est sorti de prison avec tout le pognon, il est parti. Il va partir. Là, c'est Noureddin qui a pleuré. Demain, ça va être. n'importe ben, qui arrive pour nous faire nous diriger. Nous, on est là. On regarde. Parce que certains Gabonais ont choisi le peuple. Or, la première arme d'un peuple, la, la, pas d'un peuple, la première arme d'un pays, c'est le peuple. Ça veut dire que nous sommes arrivés à un niveau où on peut être attaqué de l'extérieur et puis quelqu'un s'en va. On commence déjà à nous attaquer. Parce que nous sommes chosifiés. Nous nous chosifions nous-mêmes. Voilà. Vous avez des gens comme le Bachadi Moukarim qui arrive, il devient, il, devient, il, devient, il devient maire. tout penses qu'un Gabonais peut être maire dans le pays de Shadi Moukarim? Jamais. C'est interdit. C'est interdit. Il n'y a même pas un gars de son pays qui peut te voter. Même si tu as tout l'argent du monde. Parce qu'ils sont, ils sont fiers de chez eux. Nous, regardez comment nous, on est au Gabon. N'importe qui arrive au Gabon et devient député, devient ministre, devient... Aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. Sous nos yeux, parce que nous sommes chosifiés. Nous sommes chosifiés. Et je vous le dis, nous rédignent. Moi, je ne, suis, je ne néglige pas les gens. Noureddin va être président du Gabon. Il est déjà président. Il ne lui manque plus qu'une seule case. C'est passé par la case élection. Il va, il va affronter la case élection. Il y a beaucoup de turiféraires au PDG qui vont le soutenir. Parce que si vous pensez qu'on va chasser Noureddine en disant qu'on ne vote pas, si vous ne votez pas, Noureddin passe facilement. Bon, maintenant, si vous votez contre Noureddin, on va gagner la, la case euh, du vote parce qu'on l'a toujours gagné en 93 on n'a pas voté Omar, en 98 on n'a pas voté Omar, on n'a jamais voté les Bongo Ndimba mais ils se sont toujours maintenus au pouvoir parce que nous ne nous, ne nous organisons jamais au delà de la case élection on s'arrête, notre organisation dans l'opposition s'arrête à la case élection on n'a jamais pu mettre une organisation au delà de la case élection parce que c'est la partie qui est dangereuse je vous entends dire, oh, mais s'il si y a une élection, moi, je ne vais pas voter. Mais c'est bien si tu ne votes pas. Mais cela, là où il va bien, bien même passer. Vous pensez que Noureddin, si vous étiez Noureddin, mettez-vous à la place de Noureddin. Vous êtes Noureddin. Que souhaiteriez-vous s'il y a une élection Moi, je vais vous dire, moi, si j'étais Noureddin, je souhaiterais que les Gabonais ne viennent pas voter. Je vais dire, les Gabonais, il y a élection, le calendrier. Constitutionnel prévoit qu'il faut aller aux élections. Je vais souhaiter, je vais prier pour que les Gabonais ne viennent pas voter. Et que les Gabonais ne boycottent pas ça. Vous ne venez pas voter, mais il va faire l'élection, il va gagner. Parce qu'il y a deux choses. Soit vous empêchez l'élection, pas seulement dire je ne vote pas. Il faut l'empêcher. Vous n'êtes pas capable d'empêcher l'élection, venez voter. Il n'y a que deux choses. Et maintenant, préparer, que qu'est-ce qu'on fait après Parce qu'il faut même déjà empêcher Nourredine. Nourredine ne doit pas, se, doit pas être candidat un jour dans sa vie. D'abord, il faut d'abord commencer là. Nourredine ne doit jamais être candidat au Gabon. Jamais. Parce que, je prends un exemple. Supposons que Nourredine, c'est l'enfant biologique d'Ali Bongo. Et Nourredine est l'enfant biologique de Sylvia Bongo. Je prends un exemple. Supposons, on, on va dans cette, cette, cette base-là. Nouredine, c'est l'enfant biologique d'Ali. Nouredine, c'est l'enfant biologique de Sylvia. Bon, même là, il n'a pas le droit d'être candidat au Gabon. Parce que Sylvia a obtenu la nationalité gabonaise. Elle est naturalisée, elle n'est pas née gabonaise. Ali Bongo, on sait qu'il n'est pas né gabonais. Donc leur enfant ne peut pas se présenter. Jamais. Allez-y, lire la constitution. Supposons. Donc, que l'enfant que nous le dise, soit l'enfant adopteur, qu'il soit l'enfant biologique, il ne peut pas se présenter à une élection présidentielle au Gabon. Jamais. Il peut être ministre, il peut être... Euh, représentant de coordinateur des affaires présidentielles. Il n'y a aucune loi qui interdit ça. Il peut être premier ministre, il peut être ministre délégué, il peut, il peut, être les, il peut occuper la fonction qu'il veut, mais il ne peut pas être président de la République. Il y a quelqu'un qui me dit, Shadi Moukarim, il dit, dans ce cas, Ping ne peut pas se présenter non plus. Mon petit, il faut connaître la constitution gabonaise. Ping n'a pas acquis la nationalité gabonaise. Pink est né gabonais parce que sa mère est gabonaise. La maman de Pink, elle est gabonaise. Pink est né gabonais. Il n'a pas acquis la nationalité gabonaise. Il n'y a pas eu de naturalisation. Or, Ali Bongo a été naturalisé. Voilà pourquoi il n'a pas d'acte de naissance pouvant l'emmener à se présenter. Sylvia Bongo, naturalisée, deux naturalisés qui font un enfant au Gabon, la constitution est claire, tu ne peux pas te présenter. Shadi Moukarim, tu es maire de je ne sais pas quel arrondissement, va, la constitution, tu peux la télécharger sur Internet, je t'invite à le faire. Nous n'avons pas, moi-même, je, je, je continue de lire la constitution chaque fois que je peux. Il faut lire la constitution, tu es maintenant gabonais, tu as eu la nationalité gabonaise, c'est normal. Moi, j'ai des enfants qui sont français ici, c'est normal. Mais mon petit, même toi, Chadi, tu ne peux pas être. Sauf si tu es né au Gabon, que tu as un parent qui est Gabonais. Moi, je ne te connais pas. Mais je t'invite à lire la, la constitution gabonaise. Tu peux télécharger. Si tu veux, tu me donnes ton mail. Je t'envoie ça pour que tu saches. Donc, voilà les choses que nous devons parler. Mais je vous le dis je n'ai pas de haine envers Noureddin. Aucune haine. C'est un, un Gabonais. Certainement, je ne sais pas comment il a eu la nationalité. C'est un gabonais. Je ne connais pas trop son histoire, mais je dis que ce jeune homme est entraîné par Sylvia. C'est Sylvia qui amène l'enfant à faire toutes les conneries. Elle va amener l'enfant au trou. Vous m'avez là-bas? Ça va mal se terminer. Je vous le dis tous les jours, ça va mal se terminer l'affaire là. En tout cas, j'ai terminé de parler. Merci pour tous ceux qui m'ont accordé un peu de, de, de leur temps. Je vous remercie énormément. Le Gabon, c'est mon pays. Je suis gabonais 100%. Ne m'enviez pas et ne m'en voulez pas. Je dois parler les choses de mon pays. Si je ne parle pas les choses du Gabon, je vais parler l'histoire des choses de quel pays Le Gabon, c'est chez moi. Le Gabon, c'est chez moi. J'ai les parents qui sont en train le au Gabon. Partout, partout. Donc, quand vous me parlez mal là, je ne sais même pas, vous allez vous fatiguer, cadeau. Je parle les choses de mon pays. Gabon, Zadam. Et je connais mon Gabon. C'est au Gabon. C'est chez moi. Donc, vous allez parler comme vous parlez. Moi, je suis gabonais. Je parlerai toujours des choses de mon pays. Je suis parti. Que Dieu protège le Gabon. Maka.